D'ores et déjà, je vous souhaite la bienvenue dans la nouvelle maison d'Adebayo. Voilà, famille. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir, je vais vous faire visiter la nouvelle maison d'Emmanuel Adebayo chez voilà, famille. Je vous ai préparé une vidéo. Voilà. Je vous ai préparé une vidéo de cette maison, la famille. Mais avant toute chose, mais Adebayo ne peut la présenter. Donc, Adebayo, c'est un ex-footballeur togolais. Voilà, j'ai bien dit un ex-footballeur international togolais parce qu'il a, raccroché les crampons. Ouais, un peu long. Voilà. Donc, comme aussi nous le savons, ben, Adebayo, mais il a plusieurs maisons. Donc, il a en tout cas une maison à Lomé, un domaine vers Davier, au Ghana. Ouais, mais dans cette vidéo, la nouvelle maison encore, la famille. Là, tu as bien écouté. L'argent est bon, la famille. Cherchons l'argent, la famille. Cherchons l'argent. Ok. Are you ready? Les Anglais disent Are you ready? Vous êtes prêts pour suivre cette maison? Donc, soyez vraiment forts. Sinon, si votre morale n'est pas au point, la famille, après avoir contemplé, dégusté la nouvelle maison d'Adebayo, la famille, non, les gens ont l'argent, la famille. Les gens ont vraiment l'argent. Des fois, quand nous cliquons, ça ne va pas, ça ne va pas, mais ailleurs, oh non, ça va. Non, ça va. Seulement, même loyer, des fois, loyer d'une pièce, même, on a du mal à trouver. C'est pas ça? Une pièce environ 10 000, mais c'est le problème. Mais les gens sont dans une grosse maison, la famille. Dans une grosse maison, la famille. Construire une maison, deux maisons, plusieurs maisons. En tout cas, la famille. Ok, sans plus tarder, la famille. Allons tous déguster cette vidéo-là. Et on revient. Dégustons.
Voilà, ouais, la famille. Vous avez vu, non? La famille. Quand même, Adé Barona a posté cette vidéo-là, maintenant les commentaires, non, vraiment, les commentaires sont vraiment amusants et hilarants. Mais avant, toujours d'abord, par rapport d'abord à la maison, à la famille. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Vous avez vu? Et les chaussures, vous avez vu comment les chaussures sont. On dirait shop. Une boutique, là, on vend les chaussures. Les chaussures. Chapeau, vous avez vu ça, non? Les chapeaux, vous avez vu ça? Les sacs. Mais le salon, quoi? Le salon en question. Là, vous avez vu le salon même en question? Salon paradisiaque. Table à manger. Le bord, long, comme ça, la famille. Table à manger. Il y a un bar, un mini bar à côté en même temps. Piscine, télé même, la télé même dans la chambre, et quoi, dans le salon là. Non, la famille. Donc, franchement, non, c'est très bon, la famille. Non, la maison, elle est nickel, elle est parfaite. Non, ça on appelle un empire. Voilà. Mais Adébayo, il a construit un empire, la famille. Cette maison d'Adébayo là, ce n'est pas. Ce n'est pas juste une construction, hein, la famille. Ce n'est pas une simple construction. C'est le fruit. C'est le témoignage d'un travail dur et de la persévérance. Notez bien ces deux valeurs. Travail dur, travail acharné et la persévérance. Ouais, la famille. On avait vu. On a vu comment Adebayor a travaillé. Il a joué. Hein? Voilà, il y en a aussi, ils ont joué, mais ils n'ont pas pu faire ce que Adebayor a fait. Vous savez ça? Les gens jouent aussi comme Adebayor, mais ils n'ont pas pu faire ce que Adebayor a fait. Vous savez ça? Hein? Après tout ça, mais il faut aussi une bonne éducation financière, la gestion de l'argent. Voilà, sinon tu ne peux pas t'en sortir. Hein, voilà la famille. Nous, on a vu comment Adebayor, il a mis les cartons, Man City, Arsenal. Rien malgré ça, c'est là qui ça par là, ça c'est là. Bon, ok, on va aller maintenant dans les commentaires. Dans les commentaires, donc dans les commentaires de cette vidéo, la famille, non, 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 non. Donc, on va commencer très vite fait. D'abord, ce commentaire, cherchons l'argent, c'est très important. Oui ou non? Hein? Cherchons l'argent. Cherchons l'argent. L'autre dit, ce n'est pas en dormant dans les lieux d'adoration spirituelle qui donne ça. C'est l'état d'esprit et aller affronter les risques. Dieu veille. Hein? Il tacle un peu les églises, hein? Ou les lieux de culte. Hein? Parce que les gens sont, matin au soir, ils sont dans les lieux de culte, en train de prier. Prier pour avoir maison. Pour avoir maison. Au lieu d'aller travailler. Hein, ça, voilà. Lui dit, la maison du Père est mieux que paradis. Comme si lui, il est déjà allé au paradis, il est revenu voir. Donc lui, il compare ça au paradis. Que la maison des bailleurs là, c'est mieux que le paradis. On peut écrire un commentaire comme ça. Et on ne peut pas faire de cauchemar en dormant dans ces genres de maison. Ton sommeil sera toujours paisible. Voilà. Ça veut dire que lui, là, il a écrit ça là, souvent, bon, là où il dort là, actuellement, là, il fait des cauchemars. Automatiquement, quand il a vu cette maison, il dit, il dort. Dans cette maison, il n'y aura plus de cauchemars. La valeur du chapeau gris dépasse l'argent qui est sur mon compte bancaire. Lui, là, il est sérieux. Oh, quand même, un seul chapeau gris dépasse quoi. Déjà, bon, j'imagine que sur ton compte bancaire, c'est à peine. De 10 000. 10 000 francs CFA. Hein? Donc, en tout cas, juste, bon, le chapeau là, ça peut dépasser mes 10 000. Ah bon, en tout cas, c'est pas trop. Hein? Parce que des fois, c'est par rapport au Mac. Mais en tout cas, moi, personnellement, ce chapeau là, ce chapeau, en tout cas, ne dépasse pas moi. En tout cas, mon compte bancaire. J'ai même un compte bancaire. Bon, en tout cas. La question demeure, est-ce que l'argent fait le bonheur? Si oui, nous qui l'avons, nous cherchons encore quoi? Petit frère chéri, réponds-moi.
Ah bon, je sais pas, c'est comme si Lucie là, bon, c'est. Il est riche. Oh ben, il a écrit là. Et bon, en tout cas, c'est très bien. J'imagine frais d'électricité de chaque mois. Si notre gouvernement gère pour lui seul bien ça, peut créer un emploi chaque mois. Donc, selon lui, il suggérerait au gouvernement que le frais ou l'argent que, en tout cas, l'argent qu'il a débloqué pour l'électricité là, chaque mois là. Ils n'ont qu'à investir ça dans la création d'emplois, quoi. On peut faire excursion et venir visiter. Lui, il pose une question à Deborah, à savoir s'il peut visiter, genre, excursion, quoi. Bon, du cas au niveau des écoles. La sensation de se réveiller chaque matin et de savoir que tu possèdes toute cette fortune et imaginer que tu l'uses. Tu vois, lui, il commence à me délirer, quoi. Il délire en même temps. Il se projette si c'était lui. Les autres, et puis, il y a nos maisons, on dirait maisons de pétitions. Ah, lui, tu vois, la comparaison, quoi. Voilà, comparativement à là où il dort. Bon, selon lui, la maison, c'est maison de pétitions. On dirait magasin de vêtements, je dis seulement. Ah, vous avez vu les vêtements, non? On ne parle pas trop par rapport à ça. Boss, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour l'entretien. Voilà, lui, automatiquement, cherche un travail. Là, c'est bon. C'est ce que nous, on veut. Cherchons le travail, tu vas trouver le travail. Comme ça, tu vas gagner de l'argent pour faire quelque chose. Façon, je vous aime seul, Dieu seul, c'est mon capi, respect, longue vie, champion. Oh, tu sais, nous aimons le capi. Et qui n'est pas capi, alors là? Ah! Tant que la santé et la vie, et la vie de tout un chacun peut changer, en tout moment, rien n'est impossible à Allah. Bon, hein, lui pense qu'un jour, il peut construire cette maison. Amen. Bon vent. Un like pour le Miss, pour le Didier. La référence numéro 1 au Togo, longue vie à vous. Tous nous le savons. La dernière bah, c'est une référence au Togo. Oh Dieu, même en motivation de travailler dur comme un débailleur. La famille, c'est plein les commentaires, la famille. Donc, j'attends aussi vos réactions dans les commentaires. Et sur ce, arrivez-nous vous dit ciao, tchova, pou, pou.